le Créateur transmet un message spécial par l'intermédiaire des êtres célestes pour vous alerter de la présence d'une personne très complexe et proche. Il est essentiel de procéder avec prudence et de garder ses distances, conformément à l'orientation divine. Cette personne a l'intention de vous enseigner une leçon, car ses propres attentes n'ont pas été satisfaites auparavant et elle souhaite se venger de la non-réalisation de ses désirs passés. Cet individu est très critique, gâté et enclin au contrôle. Il fait face à de sérieux problèmes de colère, cherchant une cible pour canaliser ses frustrations. Ce message est possible grâce à votre connexion avec la sagesse divine. Si vous avez confiance en votre protection divine, inscrivez-vous à cette chaîne pour recevoir des bénédictions quotidiennes. Ces caractéristiques pointent vers une personne toxique et potentiellement dangereuse, capable de causer des dommages et des difficultés sur votre chemin. Cette personne apporte avec elle de graves problèmes, est extrêmement égocentrique, gâtée et a tendance à contrôler les autres. Elle porte beaucoup de colère intérieure, déguisée par des démonstrations d'affection trompeuse. Après avoir pris conscience de la vraie nature de cet individu, vous avez choisi de vous éloigner définitivement et de chercher un chemin plus positif dans la vie. Écrivez « gardien » dans les commentaires pour établir une connexion avec votre gardien céleste, car cela revêt une importance réelle. Bien que vous ayez tous les deux suivi des chemins séparés, cette personne n'a pas accepté cela. Elle souhaite vous donner une leçon, car ses propres ambitions ont été frustrées par votre non-conformité à ses désirs antérieurs. Son objectif était de miner votre bonheur et de bloquer votre progrès dans la vie. Cependant, ses plans ne se concrétiseront pas et ses actions malveillantes ne seront pas reconnues par le Tout-Puissant. Il se sentira honteux de ses intentions. Il est crucial que vous appuyiez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo pour que ce message atteigne le plus grand nombre de personnes possible. C'est une question délicate. Face à cet avertissement, il est primordial de prioriser votre sécurité et votre bien-être. L'avertissement divin est un signal pour agir avec prudence et être attentif aux dommages potentiels que cette personne peut causer. Si vous avez confiance dans la parole de Dieu, écrivez « Je remercie mon Créateur » dans les commentaires pour exprimer votre gratitude pour ce don. Prendre des mesures proactives pour s'éloigner de cette personne est essentiel. Elle comprendra la douleur qu'elle a causée et s'excusera, vous permettant d'atteindre la paix et promettant de ne plus interférer dans votre vie. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de contrôler vos propres réactions et réponses. En maintenant votre calme, votre fermeté et votre sérénité, vous pouvez vous protéger et diminuer l'impact du comportement toxique de cette personne sur votre vie. Établissez clairement vos limites et faites comprendre que vous ne tolérerez pas de comportement préjudiciable. En fin de compte, faire confiance à l'orientation et à la protection de Dieu peut vous apporter du réconfort et de la force dans les moments difficiles. Écrivez 111 pour manifester la protection divine. En procédant avec prudence, en établissant des limites, en cherchant un soutien et en priorisant votre bien-être, vous relèverez cette situation avec résilience et en sortirez renforcé. En faisant cela, vous garderez vos principes fermes et continuerez à chercher une vie pleine de positivité, de paix et de croissance personnelle. Cette personne ne sera pas un obstacle sur votre chemin et vous ne serez pas entouré de personnes nuisibles. Il est important de faire de la place pour les personnes bonnes et généreuses. Gardez votre intégrité et suivez un chemin plein d'espoir, de tranquillité et de développement personnel. Nous vous remercions de continuer à briller avec votre lumière unique dans ce monde. Votre présence est un cadeau précieux et votre impact est inestimable. Parmi les louanges et reconnaissances que vous recevez, célébrez votre singularité, partagez vos talents et continuez à faire une différence significative dans la vie des autres. Ne laissez pas ces sujets être banalisés. Dieu prépare le chemin pour l'arrivée de quelqu'un de spécial, aimant et gentil, et tout est prêt. Écrivez « Je crois » si vous y croyez et partagez cette vidéo pour répandre votre foi en Dieu avec vos proches. Dieu dit « Soyez courageux et levez-vous pour montrer au monde ma réalité et ma vérité. Ma miséricorde est large et extraordinaire, tout cœur peut être transformé.
votre tristesse se convertira en joie, et je guérirai vos émotions et déceptions, vous apportant la paix que vous recherchez. Approchez-vous de moi chaque jour. Ne vous méprenez pas en pensant que vous pouvez vous éloigner, car mon esprit vous atteindra ou que vous essayez de vous cacher. Acceptez ma bénédiction et recevez mon onction. Abonnez-vous à cette chaîne pour faire partie de cette communauté de bonté, où ensemble nous pouvons invoquer la présence divine à la recherche d'amélioration pour tous grâce à des prières et à la protection de nos anges gardiens. Mon désir est d'apporter de la joie à votre vie et de vous inspirer de nouvelles aspirations. Mon pouvoir réside en vous, vos paroles contiennent des graines qui, avec foi et confiance, germeront et croîtront fortes. Lorsqu'elles arriveront à maturité, elles produiront des fruits de bénédiction que vous partagerez avec le monde, irradiant la lumière que vous avez reçue depuis la naissance. Votre amour et vos bénédictions sont mon guide. Quand vous vous sentirez fatigué, approchez-vous de moi, trouvez refuge dans mes bras et laissez vos larmes couler. Bien que le processus soit difficile et que les obstacles vous entourent, ma parole et mon amour vous soutiendront. Je prendrai soin de vous, vous consolerez et vous soutiendrez dans les moments de difficulté. Je comprends vos larmes et votre tristesse et je veux que vous sachiez qu'elles parviennent jusqu'à moi depuis mon trône sacré. Votre destin est assuré. Là, vous trouverez guérison et réconfort pour votre douleur à travers les fenêtres célestes qui s'ouvriront. Ces ouvertures célestes répandront des bénédictions sur vous, vous permettant de ressentir ma paix dans le silence. Indépendamment des conflits ou des rejets auxquels vous faites face, l'essentiel est que je suis à vos côtés, vous étreignant et vous consolant. Laissez derrière vous les incertitudes et avancez avec confiance. Il n'est pas nécessaire de progresser rapidement, mais avec foi et confiance, surmontant les obstacles et persévérant. Je suis avec vous, veillant sur vous, sur votre famille, votre travail et bénissant votre parcours. Attendez avec joie et confiance, profitez de la journée merveilleuse que j'ai préparée pour vous, car je suis votre Dieu Tout-Puissant et je ne vous abandonnerai jamais. Écrivez, oui, si vous y croyez, car Dieu assure, j'ai promis un parcours de bénédiction pour vous. Pourquoi remettre cela en question lorsque des défis surgissent? Mon amour pour vous reste inébranlable et mes dons ne cessent jamais. Ne laissez pas l'inquiétude envahir votre sérénité. Éloignez-vous des illusions de ce monde. Je suis ici à vos côtés, je suis une présence réelle. Voici la vérité. Avant de continuer, prenez un moment, confiez-moi vos préoccupations, touchez votre cœur avec amour pour trouver sérénité. Si vous avez confiance, partagez mes paroles avec ceux qui ont besoin de mon soutien et de ma force. Je vous parle avec toute la sincérité de mon être, je vous aime profondément et ne souhaite plus d'angoisse pour vous. Je sais que vous faites face à des défis accablants et que vous êtes fatigué. Vous voulez paraître fort à l'extérieur, cachant votre douleur aux autres, mais je connais votre intérieur mieux que vous-même. Le miroir ne reflète que ce que vous souhaitez voir, mais je vois votre essence, je ressens votre cœur. Vous êtes courageux, mais venez me parler. Partagez le fardeau dans votre cœur, essuyez vos larmes et je vous élèverai des profondeurs. Arrêtez de remettre en question, confiez-moi vos préoccupations afin que je les soulage. Vous êtes béni d'être mon enfant. Écrivez, sans, dans les commentaires pour témoigner des dons et merveilles qui se déverseront dans votre vie et celle de votre famille. Observez comment la joie et le bonheur emplissent votre être en voyant mes promesses se réaliser. Dieu reste à vos côtés, avec mes anges gardiens, éclairant votre chemin et vous protégeant. Au réveil, recherchez-moi et votre journée sera bénie. Je vous entourerai de mon amour affectueux, sans permettre que votre paix soit perturbée. Si vous rencontrez des revers inattendus, parlez-moi et je guiderai vos décisions, vous donnant discernement et signes. Vous êtes béni, car je recherche le meilleur pour vous, car vous êtes noble et fidèle. Tant que vous garderez votre intégrité, demandez et vous recevrez selon ma volonté. Vous êtes fils ou fille du Dieu Tout-Puissant, et je suis à vos côtés. Personne ne se lèvera contre vous ni ne vous fera de mal. Tenant votre main avec tendresse, je suis à vos côtés à chaque étape, ouvrant de nouveaux chemins.
Tout ce que vous ferez en mon nom sera béni, apportant succès et abondance à vos rêves et projets, bénissant également votre famille. Vos efforts seront récompensés. Ma protection éloigne les maladies, la haine et les ressentiments de votre foyer. Ma promesse de fidélité est éternelle. Rappelez-vous que votre foi doit être ferme comme la graine de moutarde qui grandit pour devenir un grand arbre. Je crois que vous atteindrez des hauteurs extraordinaires. Ma parole est puissante, si vous ordonnez en mon nom, les montagnes se déplaceront. Recevez ma bénédiction. Écrivez votre nom dans les commentaires pour que, lors des bénédictions, je puisse le présenter à Dieu. Préparez-vous à affronter chaque jour avec énergie et confiance. Gardez la tête haute et écartez les pensées de l'échec chaque matin. Remplissez votre esprit de mes enseignements, permettez à vos paroles d'exprimer mes promesses. Laissez un sourire illuminer votre visage tandis que vous imaginez avec foi toutes les bénédictions qui vous attendent. Vous avez été victorieux sur la croix. Vos ennemis ont été vaincus et humiliés lors de ma résurrection. Vous avez été racheté des ténèbres. Je vous donne la paix pour contrôler vos émotions et trouver la force de surmonter la souffrance. Vous n'êtes pas destiné à l'échec et ne devez pas vous considérer inférieur aux autres. Ne laissez pas l'idée de commettre constamment des erreurs vous tourmenter, ni que vos rêves restent prisonniers d'un coin sombre. Rejetez l'angoisse et permettez à l'espoir d'entrer dans votre cœur. Vous êtes mon enfant et je suis votre guide. Votre foi est suffisante pour surmonter les défis et vivre avec joie. Vous rencontrerez des adversités, mais rappelez-vous que mon pouvoir est en vous pour surmonter les obstacles et briser les chaînes. Si vous choisissez de croire en moi, vous serez abondamment béni. Mais si vous acceptez les miettes laissées par les envieux, si vous permettez à la jalousie de devenir un obstacle sur votre chemin, ou que les insultes et les attaques définissent qui vous êtes, vous resterez dans l'obscurité et la tristesse. Ce n'est pas le destin que j'ai tracé pour vous, ni ce que je souhaite pour vous. Il est important de prêter attention à ces mots et de les partager. Ressentez le pouvoir de mes promesses, qui sont vivantes. Ouvrez votre esprit et laissez ma lumière dissiper votre désespoir. Votre avenir sera brillant, rempli de force et d'amour. Mes intentions pour vous sont pures, je ne souhaite pas vous causer douleur ou souffrance. Je veux que vous grandissiez dans toutes les directions, tout comme votre âme prospère. Vous êtes courageux. Exprimez votre amour pour moi et recevez la bénédiction qui vous attend. Vous avez foi, votre bénédiction est en route. Rien ni personne ne peut détourner mon plan. Ne vous inquiétez plus. Rappelez-vous que vous êtes aimé et protégé par le Créateur de l'univers, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, votre Père céleste, tout-puissant et omnipotent. Je sais que vous méritez tout l'amour que j'ai à vous offrir, car personne ne vous connaît mieux que moi. Après tout, je vous ai créé à mon image. Libérez-vous du ressentiment et de l'inclination à la vengeance. Je prie pour ceux qui vous ont blessé afin qu'ils puissent retrouver le chemin vers moi. Leurs vies sont vides, éloignées de mes paroles et de mes commandements. Permettez-moi d'agir sur eux, de toucher leur cœur et de leur révéler la vérité. Ne perdez pas de temps avec la négativité. Concentrez-vous sur moi, sur mes promesses et sur ce que j'ai préparé pour vous. Je suis avec vous depuis bien avant que vous ne fassiez face à des défis avec courage, et je suis ici pour vous renforcer. Je vous demande seulement de garder votre foi en moi, de croire fermement, me permettant de transformer complètement votre vie. Les blessures du passé seront guéries et vous ne souffrirez plus. Aujourd'hui est votre jour, c'est votre moment. Levez les mains, faites confiance à votre cœur et commencez à vivre de nouveau, rempli de joie. Cette année sera transformante si vous vous accrochez à mon amour. Cela dépend de moi, n'ayez pas peur, je suis là pour vous entourer de mon étreinte et calmer votre tempête. Même au milieu des tempêtes, après avoir assimilé ces mots réconfortants, le cœur du croyant se remplit de paix et d'espoir. Il se rend compte qu'il n'est pas seul, qu'il existe une force supérieure qui veille sur lui à chaque instant. Avec cette nouvelle perspective,
Il ressent un regain d'énergie pour faire face aux défis de la vie avec courage et détermination. Cependant, le chemin de la foi n'est pas toujours facile. Il y a des moments de doute et de désespoir où l'obscurité semble l'envelopper complètement. Dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler les promesses divines et de faire confiance que tout se déroule selon la volonté du Créateur. Au cours de son parcours, le croyant expérimente le pouvoir transformateur de l'amour divin. Il constate que ses blessures émotionnelles sont guéries et que le poids du passé est allégé. Chaque jour devient une opportunité de grandir, de se rapprocher de Dieu et de vivre conformément à ses enseignements. Au fil du temps, le croyant constate une transformation significative dans sa vie. Il devient plus compatissant, plus patient et plus résilient. Sa foi se renforce avec chaque défi relevé et avec chaque bénédiction reçue. Il comprend que l'amour de Dieu est inconditionnel et éternel, et cela lui offre une nouvelle vision du monde qui l'entoure. Tandis que le croyant poursuit son parcours de foi, il devient une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent. Sa lumière brille avec intensité, éclairant le chemin pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Partagez votre expérience de transformation, motivant les autres à rechercher l'amour de Dieu en quête de réconfort et de guidance. De cette manière, le message d'espoir et de rédemption se répand comme un feu sacré, touchant les cœurs de tous ceux qui sont disposés à écouter. Même dans les tempêtes de la vie, le croyant reste ferme dans sa foi, confiant que l'amour de Dieu le soutiendra à tout moment. Avec cette certitude dans son cœur, il poursuit son parcours, sachant que son destin est entre les mains du Créateur. Cher Dieu, aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude pour exprimer ma profonde reconnaissance pour toutes les bénédictions et la protection que tu m'as accordées. Depuis le lever du soleil jusqu'au coucher, depuis le premier battement de cœur jusqu'au dernier souffle de la journée, tu as été à mes côtés, me guidant, me protégeant et me bénissant à chaque étape du chemin. Je te remercie, Père Céleste, pour tous les dons qui rendent ma vie précieuse, pour la santé qui me permet de vivre pleinement, pour la famille et les amis qui m'entourent d'amour et pour la subsistance quotidienne qui comble tous mes besoins. Merci, Seigneur, pour ta protection constante, qui me protège des dangers visibles et invisibles, des tempêtes de la vie et des pièges de l'ennemi. Tu es ma forteresse, mon refuge, mon bouclier et ma salvation. Je reconnais, ô Dieu miséricordieux, que je ne mérite pas toutes tes bénédictions, mais malgré tout tu les réponds sur moi avec un amour inconditionnel. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas reconnu ta bonté et n'ai pas valorisé tes dons. Que ma vie soit une expression constante de gratitude, Seigneur, et que je puisse t'honorer dans tout ce que je fais. Que je puisse être un canal de ta grâce et de ton amour pour ceux qui m'entourent, partageant les bénédictions que je reçois de toi. Remplis-moi de ta présence et guide-moi selon ton dessein, afin que je puisse suivre tes chemins avec foi et humilité, faisant confiance à ta sagesse et à ta miséricorde à tout moment. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Rédempteur, je te remercie aujourd'hui et pour toujours.